Bonjour et bienvenue à l'événement de ce matin. Nous sommes ravis de vous voir si nombreux. Je suis Sandra Banks et je travaille à l'Université de Waterloo à titre de vice-rectrice en relation avec la communauté. Au nom de l'université, je vous souhaite la bienvenue tandis que nous célébrons la mise en chantier de l'Innovation Arena. Nous sommes vraiment ravis de vous y accueillir. Il est important de reconnaître et de réfléchir au fait que l'université de Waterloo, les campus divers de l'université se trouvent sur un territoire de part et d'autre de la rivière Grand et un territoire qui appartient aux communautés autochtones locales. Il s'agit du territoire traditionnel des Adwandern, Anishinaabe et Haudenosaunee. Je souhaite également reconnaître que ce territoire accueille maintenant des Premières Nations, des Inuits, des Métis divers. Tandis que nous amorçons la séance de ce matin, permettez-moi de partager quelques remarques d'intendance. Suite aux remarques officielles, nous prendrons les questions des médias et cette portion sera gérée par Caitlin Clark. Pour les reporters veuillez attendre qu'on vous accorde la parole et que vous sachiez cet événement est enregistré et diffusé en direct. Alors, bienvenue à notre public virtuel également. À la fin des remarques officielles, nous aurons des photos en personne. Je vais demander à nos dignitaires de participer à cette séance de photos. C'est avec grand plaisir à présent que je vous présente le recteur de l'Université de Waterloo, Vivek Owen. Merci Sandra. Merci à tous et toutes qui êtes des nôtres pour souligner un jalon important, c'est-à-dire la mise en chantier, la conversion importante de cet entrepôt en centre d'innovation. Je souhaite la bienvenue à des personnes formidables qui se joignent à nous, dont le Premier ministre Ford, il est de ce côté, et le ministre Fidari, le ministre Dunlop. Shager, Madame Redmond, la maire Rabinovitch, divers députés et représentants de la communauté. Ce centre d'innovation est impulsé par une communauté qui a une vision commune, un objectif audacieux et qui cherche à ouvrir de nouvelles possibilités. L'élan dans la région de Waterloo et dans la ville de Kitchener est fort. Et il vise à encourager la mise au point de nouvelles technologies en santé. Comme toujours, il faut le soutien d'un grand nombre de partenaires pour réaliser de grandes choses. Nos bailleurs de fonds partenaires comprennent la ville de Kitchener, le gouvernement du Canada, par l'entremise de l'Agence de développement économique du sud de l'Ontario, ainsi que des donateurs individuels, dont Mike Stork, qui prendra la parole dans quelques instants, Stephen Lindell, Dave Croft et Mike Peacegood, fondateurs de Arion Labs, les groupes de société C3, George et Nina Maradia et leurs familles. Et nous nous réjouissons d'entendre le Premier ministre dans un instant, car il a des nouvelles importantes à partager. Tous ces partenaires contribue à renforcer la région afin de répondre aux défis de santé de l'avenir. Je suis également heureux d'être accompagnée de dirigeants des hôpitaux locaux et des entreprises technologiques locales. Ensemble, nous avons participé à une table ronde sur la technologie. Ce groupe s'est réuni au tout début de la pandémie afin de mettre au point et de mettre en œuvre des solutions innovantes et aider à relever des défis comme l'accès à l'équipement de protection individuelle et les tests dans cette communauté comme au-delà. Nous avons choisi de travailler ensemble pour positionner cette collectivité comme chef de file dans le développement et l'adoption de solutions innovantes pour notre système de santé. Nous avons un objectif double, améliorer la santé de la population et les rendements du système de soins de santé et contribuer au développement économique de la province. Le centre d'innovation sera un phare de ce programme. Il s'agira d'un endroit où on partagera des laboratoires, des bureaux afin d'inspirer des partenariats
et d'encourager des échanges entre entreprises, fondateurs, chercheurs, travailleurs de la santé et partenaires communautaires. Cette installation sera également le lieu d'accueil de Velocity, un programme d'entrepreneuriat phare pour la région. Ce nouvel espace permettra à Velocity de s'adonner à la commercialisation, à l'aide aux entrepreneurs, et cela permettra aussi de contribuer à la prospérité de l'Ontario et du Canada. À l'Université de Waterloo, nous sommes prêts à jouer un rôle de pointe à la faveur de nouvelles percées dans l'entrepreneuriat et le développement technologique. Nos forces comme la sciences quantiques, la robotique, l'intelligence artificielle, sont intégrées dans de nouvelles innovations médicales et technologiques. Ce nouvel endroit permettra de mousser la collaboration, de rationaliser les parcours de commercialisation pour les entreprises et cela permettra d'accélérer la mise en place de solutions de santé technologique. Grâce à cette collaboration accrue avec nos partenaires, nous co-créons des solutions communautaires qui auront véritablement un impact à l'échelle internationale comme locale. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. C'est avec grand plaisir que je souhaite la bienvenue au 26e Premier ministre de l'Ontario et membre du Parlement pour Etobicoke North, député de Etobicoke North, l'honorable Premier ministre Doug Ford. Merci, Vivek, ainsi que Sandra. Alors, très heureux d'être de retour dans la magnifique ville de Kitchener, dans la région de Waterloo. Et je suis accompagnée d'ailleurs du ministre Dunlop, du ministre Federley et de nos champions locaux, les députés Harris et Riddell. Je tiens également à saluer les députés Chagger et Lewis, le maire de Kitchener, Barry Rabanovich, la maire de Waterloo, Dorothy McCabe. J'ai l'impression d'annoncer les joueurs des Blue Jays, la présidente régionale Karen Redmond et tous les élus et chefs d'entreprise qui nous accompagnent. Et un grand coup de chapeau à l'équipe de l'Université de Waterloo également qui nous accueille pour tout ce que vous faites également pour soutenir l'innovation et l'esprit d'entreprise dans cette région. Chers amis, je dois vous dire, Vivek Goel est le meilleur vendeur que je connaisse. Bon, parfois, je l'accompagne dans ses tournées de vente. Et où que nous allions, à qui qu'on s'adresse, il est toujours important pour lui de parler de nos collèges et universités. On dit toujours qu'à Waterloo, nous avons les meilleurs éléments. Ça fait vraiment une différence. Vous savez, nous sommes en concurrence avec d'autres pays. Je vous donne un exemple. Une annonce de Volkswagen. Nous sommes en concurrence. Est-ce qu'il n'y avait pas 90 lieux dans le monde qui étaient en lice et au final, la liste a été réduite à deux. Et Waterloo a été évoqué par Vivek Goel dans la conversation au moins 1500 fois. Alors, ce n'est pas étonnant que Waterloo soit de nouveau reconnu comme l'université la plus innovante du Canada. Alors, bravo, vous le méritez. C'est vraiment un honneur bien mérité. Il suffit de regarder le nombre d'innovations, le nombre d'entreprises en démarrage, les fondateurs issus de cette université qui ont créé des milliers d'emplois ici à Kitchener ainsi qu'à Waterloo et d'ailleurs dans toute la province. C'est la raison pour laquelle je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour annoncer que notre gouvernement investit 7 millions et demi de dollars dans un tout nouveau pôle d'innovation ici. Pour contribuer à créer la prochaine génération d'entreprises innovantes dans le secteur des technologies de la santé. Vous savez, c'est très important. Les choses qui sont produites ici sont vraiment formidables. Une fois terminé, ce nouvel espace, tout juste derrière moi, sera une plaque tournante d'innovation, un lieu où les entreprises pourront entrer en contact avec chercheurs et partenaires de la communauté. Cela accélérera le développement et la commercialisation de technologies fabriquées en Ontario. Vous savez, nous voulons que tout soit fait en Ontario. Vous savez, moi, j'ai été partout dans le monde, aux États-Unis, j'ai été dans 45 des 50 États des États-Unis. Il n'y a aucune instance en Amérique du Nord qui soit aussi diversifiée que l'Ontario. Rien n'est à notre épreuve si on y met tous la main à la pâte, tous les paliers de gouvernement.
Il s'agit de créer des emplois bien rémunérés et d'attirer de nouveaux investissements. Cela contribuera à consolider la position de Kitchener et Waterloo en tant que région de pointe en matière d'innovation technologique. Et chers amis, notre investissement dans ce pôle d'innovation n'est qu'une des nombreuses initiatives que notre gouvernement vise pour favoriser la croissance des secteurs de la technologie de la santé. L'année dernière, nous avons publié la stratégie ontarienne pour les sciences de la santé. Cette stratégie, la première en son genre depuis d'une décennie, sert de feuille de route pour faire de l'Ontario un chef de file en sciences de la santé et en sciences de la vie. Cela comprend des initiatives visant à attirer de nouveaux investissements dans le secteur. Et là, je vais citer de gros chiffres. En s'appuyant sur les 3 milliards de dollars d'investissement que nous avons obtenus de la part de fabricants mondiaux de produits biologiques au cours des 2 dernières années et demie, vous savez, c'est énorme, 3 milliards en 2 ans et demi. Et d'ailleurs, merci à vous tous. Pour les entrepreneurs locaux et les jeunes entreprises, la stratégie comprend le programme d'innovation en sciences de la vie, un fonds de démarrage de 15 millions de dollars pour aider les entrepreneurs et les innovateurs à accéder au capital pour faire passer leurs idées du laboratoire au marché. Nous prenons des mesures pour faciliter l'entrée des innovations dans le système de santé de l'Ontario. Et nous créons un conseil des sciences de la vie dirigé par l'industrie pour fournir des conseils sur les défis auxquels le secteur est confronté et les possibilités d'accroître la compétitivité et faire progresser les solutions faites ici en Ontario. Nous voulons que l'Ontario soit l'endroit où les entrepreneurs choisissent de créer leurs entreprises, où des percées médicales sont découvertes, commercialisées et développées en produits et en services innovants au profit des Ontariens et de tous les Canadiens. Mes amis, comme je l'ai déjà dit, en tant que gouvernement, nous ne sommes pas ceux qui développent des produits, qui créent des entreprises ou qui embauchent du personnel. Ce que nous pouvons faire cependant, c'est créer les conditions et l'environnement favorables à la réussite des entrepreneurs et des entreprises pour que des emplois se créent. Vous savez, nous avons obtenu 3 milliards de fabricants mondiaux de produits biologiques. Le monde est devenu très compétitif. Il faut créer les conditions qui encouragent les sociétés à s'installer ici. Sinon, elles iront ailleurs, en Europe, aux États-Unis, en Asie. Mais nous avons réuni ces conditions gagnantes ici. Tandis que nous continuons de naviguer l'incertitude économique, nous aidons les gens et les entreprises d'aujourd'hui en posant les bases solides pour les générations futures. Nous investissons et nous soutenons les chercheurs et les innovateurs pour créer des technologies, des entreprises de demain. Nous nous attaquons aux pénuries de main-d'œuvre grâce à des investissements historiques dans les programmes d'emploi et de formation. Nous construisons des routes et des autoroutes, notamment l'autoroute 7 entre Kitchener et Guelph, pour assurer la circulation des personnes et des marchandises. Récemment, nous avons réalisé de bons progrès avec nos partenaires autochtones et je souhaite remercier le chef Hill, qui est un bon excellent partenaire, et nous travaillons ensemble donc aux prochaines étapes pour faire avancer ce projet. Je sais que les habitants de Kitchener et Waterloo attendent ces nouvelles depuis longtemps. Et nous rendons l'électricité plus abordable, nous réduisons les formalités administratives, nous maintenons des impôts et des taxes à un faible niveau. Et nous savons qu'une économie saine appelle une population en bonne santé. C'est pourquoi nous réalisons des investissements historiques dans l'infrastructure des soins de santé, dont un investissement de 5 millions de dollars ici même dans la région de Waterloo pour moderniser et agrandir le Grand River Hospital et le St. Mary's General Hospital. Mike et Brian, merci. Mike, ça fait longtemps que vous demandez cet hôpital. Brian vient d'être élu. Ce sont des champions formidables pour la région. Et chers amis, quoi que nous réserve l'avenir, une chose dans laquelle j'ai une confiance indéfectible, c'est que l'équipe Ontario, l'esprit d'équipe Canada, lorsqu'on se rassemble, comme on l'a fait pour ce nouveau pôle d'innovation, les entreprises, les chercheurs talentueux, les collèges et universités de classe mondiale et tous les niveaux de gouvernement, je sais, ensemble, nous pouvons réaliser des choses formidables. Ensemble, nous bâtirons l'Ontario plus fort. Merci encore d'avoir été des nôtres et que Dieu bénisse la population de l'Ontario. J'étais déjà prêt à répondre aux questions des médias. Vous devrez patienter un peu. Nous avons encore quelques conférenciers. Merci, Monsieur le Premier ministre Ford, pour ces gentils propos et pour ce soutien très généreux pour toute cette collectivité. Sachez
qu'avec cet investissement, nous allons soutenir l'impact économique de l'université et l'impact de cette collectivité en créant de nouvelles entreprises de technologie en santé, en créant de nouveaux emplois et qui assureront une plus grande prospérité. Je devrais ici aussi signaler que Catherine Fife et la députée Lindo sont également des nôtres. C'est à présent avec grand plaisir que je vous présente l'honorable Ardis Jagger, et qui est d'ailleurs diplômée de l'Université de Waterloo, qui dira quelques mots au nom du gouvernement du Canada. Merci beaucoup, Sandra. Bonjour à tous et à toutes, très heureuse d'être ici. Au nom du Premier ministre Justin Trudeau et de la ministre Tassé, qui est responsable de l'Agence de développement économique du sud de l'Ontario, je souhaite remercier toute l'équipe qui représente cette communauté et le gouvernement fédéral. Est-ce qu'on peut remercier l'équipe de l'Agence de développement du sud de l'Ontario? J'apprécie toujours l'occasion de rencontrer les personnes et les organisations qui font de cette région ce qu'elle est et qui travaillent très fort pour soutenir une économie résiliente ici dans le sud de l'Ontario. À titre de députée pour la circonscription de Waterloo, je suis toujours honorée de participer à ces événements qui mettent en lumière les atouts de cette région et qui est un endroit où on crée beaucoup d'entreprises, une pépinière d'innovation connue pour les grandes compétences de sa population et pour ses technologies pionnières. Ceci signifie que nous sommes à la fine pointe de l'innovation et de la croissance dans un grand nombre de secteurs, dont le secteur de la santé. Et de partenariats importants, comme celui que nous célébrons aujourd'hui, sont essentiels à cela. Notre partenariat avec l'Université de Waterloo, la ville de Kitchener, les échanges médicaux de et à présent la province de l'Ontario, l'Innovation Arena créera un carrefour d'innovation qui permettra d'encourager les partenariats partout en Ontario et au Canada. Car dans la région de Waterloo, on n'est pas en concurrence avec les Canadiens, on est en concurrence avec le reste du monde. C'est pourquoi nos portes sont toujours ouvertes et nous sommes prêts à agir en partenariat avec quiconque souhaite le faire. Avec 10 millions de soutien de l'agence, le gouvernement fédéral est très heureux de voir l'Innovation Arena s'installer ici, dans Kitchener, qui permettra d'encourager les entreprises à passer au cran supérieur de leur croissance grâce à du mentorat, des services conseils d'entreprise, du soutien au développement de marchandises, l'accès à des laboratoires et à des espaces de mise à l'essai. Il s'agira de possibilités d'innover sans précédent qui amélioreront la qualité de vie et les résultats de santé pour les Canadiens et d'autres personnes de par le monde. Et véritablement, nous espérons que tous les paliers du gouvernement se tourneront vers les idées produites ici, se tourneront vers ce qui est commercialisé, mis au point ici, car nous avons véritablement les solutions nécessaires. Il s'agit des priorités clés de notre gouvernement également. Comme vous le savez, il y a 2 semaines, nous avons publié le budget fédéral, qui est un plan fait au Canada visant à encourager la croissance économique. Nous faisons des investissements transformateurs qui permettront d'encourager l'énergie propre, lutter contre les changements climatiques et offriront de nouveaux débouchés pour les travailleurs du Canada afin d'avoir un approvisionnement énergétique abordable et plus vert et afin de créer de nouveaux emplois. Le budget 2023 est une réaction directe aux défis auxquels est confronté le Canada à l'heure actuelle, en santé, entre autres. Par exemple, à cette fin, 198 milliards de dollars seront investis à l'échelle nationale, dont 77 milliards ici en Ontario pour réduire l'arriéré, élargir l'accès aux services médicaux familiaux et pour fournir des soins en temps voulu, tels que les Canadiens s'y attendent. C'est la raison pour laquelle je suis très fière d'être ici afin de célébrer cette mise en chantier. C'est un travail révolutionnaire qui se fera dans l'Innovation Arena et cela fera fond sur le travail déjà extraordinaire réalisé par tous les partenaires de ce projet. Cela permettra de continuer de renforcer le secteur, de créer de bons emplois et d'améliorer les résultats de santé pour les Canadiens. Alors, félicitations à toute l'équipe de l'Université de Waterloo et à tous les partenaires. Je vous félicite pour votre travail et je me réjouis de voir ce que produira l'Innovation Arena. Merci et félicitations. Merci, député Jagger. Le gouvernement du Canada
soutient l'innovation dans toute la région depuis longtemps et nous en sommes reconnaissants. C'est maintenant avec grand plaisir que je souhaite la bienvenue au maire de Kitchener, le maire Rabanovich. Eh bien, merci à Madame Banks pour cette gentille présentation et merci de me donner l'occasion d'être des vôtres. Tandis qu'on amorce les travaux pour cette initiative faite à Kitchener, vraiment au centre-ville de Kitchener et sur le site de notre fonds d'investissement créé il y a une décennie, entre autres pour une école de pharmacie de l'Université de Waterloo. Monsieur le Premier ministre, bienvenue, ministre Dunlop, Fedeli et tous les dignitaires invités également. Merci d'être des nôtres. Quelle journée formidable. Il fait un soleil radieux, une belle annonce. On ne peut rien demander de mieux. Je m'en voudrais de ne pas d'abord reconnaître mes collègues conseillers de la ville de Kitchener. Conseiller Scott Davy. Conseiller Scott David, Dave Schneider, Jason Deneau, Christine Michaud, Paul Singh, Bill Ioannidis, Margaret Johnson, Debbie Chapman et Ashlyn Clancy. Je souhaite les présenter car les grandes choses qui se produisent aujourd'hui seraient impossibles sans eux. Et également, je conseille qu'ils soient représentés également l'année dernière, qui ont pourtant fait partie de la prise de décision sur la stratégie de développement économique actuelle. Plus précisément, c'est le courage et le leadership du Conseil qui nous a permis d'adopter la stratégie à la fin de 2020, qui nous a permis de mettre en place une vision qui nous permet de voir l'innovation et la technologie comme un tremplin pour l'avenir et la prospérité de cette ville. Évidemment, cela est possible grâce à l'excellent personnel de la ville, entre autres sous la houlette du PDG, Monsieur Chapman, ainsi que Brian Bennett, qui ont contribué à la mise en chantier. Merci au personnel et aux conseillers d'être des leaders. Mesdames et messieurs, aujourd'hui est une journée emballante pour notre collectivité Kitchener et très fière de faire partie de ce partenariat très important, très impressionnant, tandis que l'Université de Waterloo et Velocity continuent d'élargir leur présence physique et programmatique ici au centre-ville de Kitchener. Cette vision locale transcende les frontières locales. Nous cherchons à renforcer le corridor d'amélioration de Toronto-Waterloo afin d'assurer la croissance économique pour l'Ontario et le Canada. En 2004, Kitchener a fait le choix d'accepter le changement et de repenser ses technologies et ses entreprises locales grâce à un fonds d'investissement local qui nous a permis d'accueillir un nouveau centre des sciences de la vie et une nouvelle école de pharmacie. C'est la raison pour laquelle le Conseil et moi-même avons voulu nous centrer sur l'innovation en santé. C'est la raison pour laquelle nous avons remporté un prix pour notre plan stratégique 2019-2023. Dans le cadre de ce plan Kitchener 2.0, notre premier investissement a été auprès de l'Université de Waterloo, avec 8,5 millions au service de ce pôle d'innovation visant à encourager l'innovation dans le secteur des sciences de la santé. Cet investissement à long terme donne une occasion transformationnelle pour Kitchener et la région tout entière afin qu'elles deviennent des chefs de ville en sciences de la vie à l'échelle de la planète, ce qui met notre province et notre pays sur la carte mondiale. Ces possibilités ne sont possibles que grâce à la collaboration qui existe dans la collectivité. Une recette magique, si vous voulez. Ou comme David Johnson le disait, l'ancien gouverneur général, l'esprit singulier de cette communauté. Et cette initiative en est l'illustration parfaite. En travaillant avec les universités, le secteur privé, le secteur sans but lucratif, ainsi que les gouvernements, nous avons réussi à créer ce que vous voyez derrière moi. Et c'est également grâce à Communautech, un carrefour, une pépinière d'innovation qui permet de créer de tels projets. Je m'en voudrais également de ne pas souligner Ian Kloodman, qui est l'ancien PDG également.
Au nom de notre conseil, je souhaite également remercier nos partenaires. Comme on le disait, dès 2004, l'Université de Waterloo a vu grand et a agi en partenariat avec la ville de Kitchener. Nous avons d'abord tissé des liens avec le recteur de l'époque, mais avec tous les recteurs depuis. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Vivek Goel fait partie du récit depuis le tout début, alors qu'il était à l'Université de Toronto. On s'est adressé à lui pour lui demander de nous aider à créer une nouvelle école de pharmacie. On était loin de savoir que des années plus tard, il serait recteur de cette université. Merci Vivek, à vous et votre équipe pour votre engagement indéfectible envers ce projet. La ville se réjouit de continuer de travailler avec vous sur ce campus et dans d'autres plans très ambitieux dans l'espace de la santé, tandis que nous cherchons à repenser la prestation des soins de santé dans les mois et les années à venir. Au gouvernement du Canada, merci d'être le premier à investir aux côtés de la ville en devenant un partenaire important de ce projet clé. BARDA Chagger a toujours défendu la région et je ne saurais trop la remercier, ainsi que Valerie Bradford et Kim Lewis pour leur contribution formidable à ce projet. Et à la province de l'Ontario, le Premier ministre Ford, que puis-je dire? Vous et votre gouvernement avez toujours dit qu'il fallait passer à l'action. Et dans le cadre de ce projet, je dois dire que vous l'avez fait. Vous êtes passé à l'action. Nous avons travaillé avec vous et votre équipe. Et je crois que c'est grâce à une conversation que j'ai eue avec vous il y a quelque temps que nous avons concrétisé le projet. Vous m'avez dit à la toute fin de cette conversation, nous le ferons. Et étant donné que vous tenez parole, vous l'avez fait. Au nom de notre communauté, des millions d'Ontariens qui bénéficieront à l'avenir du type d'innovation dans les santé qui découleront de ce centre, je ne saurais trop vous remercier. Je souhaite aussi remercier les députés Mike, Jess et Brian. Mais je souhaite aussi donner un coup de chapeau à Mike Harris Jr., qui est un véritable ami de la région depuis son élection et son premier mandat. Mesdames et messieurs, je sais que ces investissements porteront fruit, tout comme les autres investissements audacieux réalisés à Kitchener dans le passé, dans l'investissement dans la bibliothèque, l'école de pharmacie et l'espace de pépinière centrée sur les objectifs de développement durable de l'ONU qui seront bientôt annoncés, qui sera bientôt annoncé. Alors, avant de laisser le micro, je souhaite remercier le Premier ministre et je l'invite à revenir ici au micro. Je sais que vous êtes fan de football, mais je sais que lorsque vous étiez plus jeune, vous aimiez aussi beaucoup le hockey. Et je sais que vous aimez faire partie d'une équipe gagnante. Étant donné que c'est une première, mais probablement pas la dernière annonce qu'on fait ensemble, je voulais vous remettre le maillot des Kitchener Rangers. Vic, désolé. Notre équipe de hockey junior. Vous savez peut-être, les Rangers étaient la huitième équipe dans la première série éliminatoire et en quatre parties ont réussi à battre leur adversaire. Alors maintenant que nous passons à la deuxième ronde des séries éliminatoires avec l'équipe de London. Alors nous avons battu d'abord Windsor, nous passons maintenant à London. Nous voulons vous demander de devenir partie de la Nation Ranger. C'est la raison pour laquelle je vous remets votre maillot avec évidemment votre nom. Et le numéro 26, puisque vous êtes le 26e Premier ministre de cette province. Bon, j'ai peut-être quelques votes de plus ici, mais on va en pâtir à London. Merci, Maire Vrbanovic. Vous avez été un champion sans relâche pour ce projet. C'est ce qui nous a permis d'arriver à ce stade. Et je crois que, bon, on sait pourquoi ceci s'appelle l'Innovation Arena. Vous voyez pourquoi maintenant avec ce maillot. Je souhaite la bienvenue à présent à Mike Stork, qui est un entrepreneur
un investisseur local et un bon ami de l'Université de Waterloo. Après Mike, nous entendrons Adrienne Côté, directrice générale de Velocity. Merci beaucoup. Ça fait longtemps que je soutiens le programme d'entrepreneuriat de l'Université de Waterloo. Et plus précisément maintenant, le programme Velocity. Je me rappelle, il y a 10 ans, à l'université, il y avait des concours d'argumentaires, mais à l'époque, on voyait déjà l'étincelle de ces entrepreneurs. C'est avec grand plaisir que je vois que nous passons au deuxième stade de cette stratégie avec l'Innovation Arena. Les diplômés de Velocity ont déjà beaucoup contribué à l'économie de l'Ontario et ce, depuis de nombreuses années. Ils ont attiré plus de 4 milliards de dollars d'investissement pendant cette période. Velocity est le cœur du programme d'entrepreneuriat de l'université et cette pépinière permet de créer des débouchés pour la propriété intellectuelle et d'appliquer ce qui est développé ici dans des solutions concrètes. Je soutiens activement ce programme et ces entreprises innovantes et je suis très heureux de continuer de soutenir l'avenir de Velocity. Grâce à tous ceux qui veulent construire un meilleur avenir pour la région de Waterloo. Bonjour, merci Mike et merci au gouvernement du Canada qui nous soutient par l'entremise de l'Agence de développement du Sud-Ouest de l'Ontario, la province de l'Ontario, la ville de Kitchener. Grâce à votre leadership et votre soutien, nous avons pu créer ce projet. Et c'est grâce aussi au soutien d'entrepreneurs de l'écosystème. Depuis 2008, Velocity demeure centrée sur la transformation de vision et d'idées en société. Nous le faisons en soutenant les personnes et leur raison d'être, les entrepreneurs, afin qu'ils trouvent des idées et qu'ils passent au cran supérieur afin de nouer avec la réussite. À présent, nous avons une nouvelle approche d'innovation, une approche qui s'inspire de Velocity. Velocity a commencé par une idée toute simple. Réunir des étudiants où on célèbre, dans un endroit où on célèbre l'innovation et permettre à tout le monde d'exprimer ses idées, quelles qu'elles soient. C'est le cœur de Velocity. Les origines et l'évolution de Velocity sont vraiment ancrées dans l'Université de Waterloo. La liberté d'innover est rattachée à cette philosophie que l'innovation est à la base de toute évolution. Nous avons aussi créé une culture de collaboration fondée sur la confiance, où l'innovation est fondée sur un partage de connaissances au sein de la communauté. À présent, nous voyons un entrepôt sous-utilisé transformé, non seulement pour abriter Velocity, mais d'autres membres de la communauté pour que nous puissions innover ensemble. La collaboration au sein de cette Innovation Arena commence à un stade où il est très important de se centrer sur cette innovation. Il faut relever des défis importants comme l'ajout d'emplois durables dans un environnement de plus en plus technologique, fermer l'écart de productivité du Canada. Et trouver un moyen d'encourager la croissance économique locale, renforcer le secteur de la santé grâce à des technologies qui peuvent améliorer les soins, réduire les coûts et réduire le surmenage, tout en s'attaquant à l'abordabilité des logements, l'inclusivité et le réchauffement climatique. Au cours des prochaines années, on s'attend à ce que Velocity nous permette de lancer 135 nouvelles entreprises, créer plus de 700 emplois et commercialiser plus de 150 nouvelles technologies. Il est clair que l'innovation est essentielle, mais l'innovation authentique, comment on innove et comment on crée, cela doit également être un impératif. Pour conclure, je souhaite vous rassurer, nous pouvons relever ces défis. Tous les ans, Velocity, avec des milliers d'étudiants de Waterloo, reçoit plus de 400 demandes d'entreprises. Ce sont des personnes dynamisées par le changement qui veulent mettre l'épaule à la roue pour résoudre les grands enjeux de la société d'aujourd'hui. L'Innovation Arena de Kitchener sera le point de départ pour la croissance locale au départ, avant de devenir mondiale. Nous voulons devenir un chef de file de l'innovation
et nous sommes engagés à continuer de transformer les idées, les aspirations en société. Merci. Merci à Mike et Adrienne. Et merci à tous nos conférenciers. Vos propos et vos soutiens sont éloquents. Et donc, les remarques formelles sont donc conclues. Un petit rappel aux représentants du gouvernement à rester des nôtres pour les photos. Caitlin Clark, à présent, sera responsable de la période des questions. Merci. Nous passons à la période de questions et de réponses. Je demande au reporter de faire la file derrière moi, au micro. Vous avez droit à une question principale et une question suivie. Jeff Alfred, Waterloo Record. Merci de prendre nos questions. Cette semaine, votre gouvernement a ajouté plusieurs hectares pour le développement dans la région. On vous critique que vous encouragez l'étalement urbain. Pouvez-vous expliquer pourquoi vous rajoutez une centaine d'hectares ou plusieurs centaines d'hectares en plus au plan de développement et comment réagissez-vous aux critiques? D'abord, merci pour la question. Je pense que nous avons beaucoup de chance de voir tant de gens venir en Ontario. J'ai toujours dit, on a 380 000 emplois disponibles. On n'avait pas les travailleurs pour prendre ces postes. J'ai parlé au Premier ministre fédéral de ces questions depuis longtemps et il remplit sa promesse. Il fait venir 500 000 nouveaux Canadiens tous les ans. Mais je dois dire que 60% des nouveaux arrivants vont être dans la région du Grand Toronto de Kitchener-Waterloo. Donc, c'est au moins 300 000. Mais je ne sais pas si vous avez vu les publications de Statistique Canada récemment. 445 000 personnes sont arrivées ici en Ontario. On les a accueillis, on a beaucoup d'emplois, mais où vont-ils vivre? C'est la raison pour laquelle il faut veiller à ce que nous ayons des logements. Et c'est la raison pour laquelle il faut construire. On ne parle pas seulement de l'année prochaine, mais on parle dans 10, 15, 25 ans, car la population ici atteindra presque 1 million. C'est effarant. Je vais demander au maire s'il n'a pas quelques mots à ajouter par rapport à cela. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, de me donner l'occasion de me prononcer aussi sur cette question. Alors, Jeff, ce que je vous dirais, c'est que les parties principales du plan sont adoptées. Cela comprend des choses comme la protection des zones de transport en commun. Et on reconnaît aussi qu'il y a des endroits où on estimait que, par exemple, dans le sud-ouest de Kitchener, que ces territoires devraient être inclus dans le développement. On en a beaucoup débattu, même au conseil municipal, sachant que, bon, on sait que cet enjeu doit être soumis à la province pour approbation. Le ministre, je pense, reconnaît qu'il y a un argument solide expliquant pourquoi il faut inclure ce territoire. Et de mon point de vue, c'est une bonne chose que ce soit fait, car cela nous permet de garantir qu'on puisse répondre aux besoins de notre communauté, tandis qu'on cherche à créer 35 000 nouvelles résidences. Dernière question, Monsieur le Premier ministre. En novembre dernier, vous avez annoncé que vous alliez nommer un facilitateur pour revoir la gouvernance ici pour tâcher de construire des logements plus rapidement. Nous n'avons rien entendu depuis, ça fait presque 5 mois. Est-ce que vous avez abandonné ce plan devant un facilitateur? Et si ce n'est pas le cas, de qui s'agira-t-il et quel sera son mandat? Excellente question. Je viens à peine de parler avec le bureau ce matin. Nous allons passer à la vitesse supérieure. Je pense qu'il faut parler au maire et aux représentants de la région pour obtenir leur avis. Nous allons en discuter, mais pour l'avenir, avec la croissance de cette région, je vais
continuer de consulter les maires pour avoir leur avis. Mais ça se produira rapidement. Merci pour votre question. Permettez-moi de revenir à une autre statistique. En Amérique du Nord, on voit une croissance de la population. Aux États-Unis, la Floride et le Texas sont les deux États qui ont la croissance la plus forte. D'après ce que j'ai entendu, 1 000 personnes par jour s'installent en Floride, 1 000 personnes par jour s'installent au Texas. Et on se dit, c'est formidable. La Floride représente 22 millions, le Texas 24 millions, je pense. Nous, nous sommes presque 15 millions. Vous savez, si vous faites un calcul, ça fait 365 000 personnes pour chacun de ces États. Nous avons acquis 445 000 personnes en un an. C'est formidable. Je suis vraiment ravie de voir qu'on accueille autant de gens pour stimuler l'économie. Bonjour. Monsieur le Premier ministre, beaucoup de gens de la région s'intéresse au transport en commun, du service Go, le train de banlieue. Il existe un besoin. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas accès au train plus souvent? Eh bien, on va augmenter le service. Bon, il y a des négociations en cours avec le CN. Comme vous savez, nous partageons les voies avec le CN. On essaie de négocier le plus vite possible et donc nous attendons l'issue des pourparlers. Une question de suivi. Question au nom de mes collègues de Toronto. On nous demande pourquoi votre gouvernement a-t-il limogé le président du conseil des services de police de Peel? Eh bien, malheureusement, je ne peux pas expliquer pourquoi, mais vous aurez des nouvelles bientôt. Merci pour la question. Bonjour, Ricardo Menez, CTV Kitchener. Question de suivi sur la première qu'on vous a posée au sujet des changements de frontières de développement. On l'a vu à Hamilton, puis Halton Hills. N'avez-vous pas l'impression que ça n'est pas très démocratique? Vous ouvrez des plans qui ont pourtant été approuvés par des populations. Est-ce que cela ne vous inquiète pas? Écoutez, moi, je veux toujours travailler en collaboration avec les municipalités et je crois que nous avons une excellente relation avec les 444 municipalités de l'Ontario. Mais je sais ce qu'ils vivent. Vous savez, j'ai été moi aussi conseiller municipal à Toronto. Vous le savez sans doute. Les gens ne peuvent pas simplement refuser constamment. Ça n'est pas possible. Il faut assurer notre croissance si on disait non à tout. Vous savez, à un moment ou l'autre, c'était probablement ici des terres arables. On a beaucoup de territoires ici. C'est presque 2 fois la taille du Texas. Il faut assurer la croissance économique, mais il faut surtout créer des résidences abordables. Je dis souvent les jeunes, mais ce n'est pas que les jeunes. Ce sont les gens qui sont jeunes, moins jeunes, ils ont besoin d'une résidence. Les immigrants, ils veulent acheter une maison. Alors, c'est une question d'offre et de demande. C'est économie 101. Il nous faut plus d'offres. Tout le monde le sait. On a une crise du logement et de se croiser les bras et de se dire non, ce n'est pas possible, aller ailleurs, pas ici, ça ne va pas. On va toujours protéger des espaces verts. On a ajouté 2 000 acres à la stature verte. Alors, on va toujours procéder avec précaution, mais il faut commencer à construire. Les gens ont besoin de maisons et des maisons abordables. Question de suivi. Avez-vous des projet futur visant à supplanter les plans régionaux. C'est le ministre des Affaires municipales qui en a la charge et il en discute avec les municipalités. Merci. Colin DeMello, Global News. Merci, stagiaire, Colin. Une question au sujet de Ontario Place. On entend tous dire que votre gouvernement est sur le point de faire une annonce et que cette annonce pourrait comprendre le déplacement du Centre des sciences de l'Ontario vers Ontario Place, place de l'Ontario. Est-ce que
Vous envisagez vraiment de déplacer le centre des sciences de l'Ontario vers la province de l'Ontario? Alors, sachez d'abord qu'il s'agira d'une place de classe mondiale. Évidemment, vous savez ce que peut proposer Live Nation. Il y aura un lieu de spectacle extérieur formidable. Alors, s'agissant du centre des sciences, je pense que c'est une excellente idée. On en discute depuis à peu près un an. Mais si je disais que c'est le cas maintenant, je pense que le ministre de l'Infrastructure ne serait pas content. Mais je pense que c'est une excellente idée et c'est une occasion formidable. Je pense que vous avez une petite idée. C'est la raison pour laquelle je posais la question. Parlons donc de la possibilité. Qu'est-ce qui pourrait remplacer le centre des sciences de l'Ontario? C'est beaucoup de terrain, vous parlez justement de logement, c'est tout juste à côté de supermarchés, d'un centre de transport en commun. Est-ce que vous pourriez créer des logements? Est-ce qu'on le dépassait? Oui, je pense que ce serait une occasion. C'est vraiment au coin de Don Mills et Edlington. Colin, vous me corrigerez si j'ai tort, mais je pense que c'est 90 acres. Je ne sais pas si ça peut tout être construit, l'objet d'une construction, mais même la moitié, ce serait beaucoup. C'est là que passera la ligne Ontario également. Donc, je pense qu'il s'agit d'une excellente occasion de créer des logements à prix abordable. Il faut refondre le centre des sciences, vous savez. Moi, je me rappelle, on mettait des mains sur une boule. On savait ce qu'était l'électricité statique. Est-ce que je peux raconter une petite histoire sur Barry, le maire, pardon, le maire. J'ai appelé le maire et on a décidé d'aller manger ensemble. Est-ce que vous avez déjà vu des gens comme nous aller manger le petit déjeuner? Moi, j'ai mis 20 beignets sur la table. En 10 secondes, ils étaient disparus. Alors, la prochaine fois, il faudra en acheter 40. Vous savez, on fait beaucoup ensemble. On réalise beaucoup. C'est comme ça qu'on arrive à avancer. C'est en ayant des conversations à bâtons rompus. Et je suis vraiment toujours très heureux de discuter avec les maires. Ce sont toujours des conversations très productives. Il s'agirait de la dernière question. Bonjour. Silimus. Code rouge, ça signifie qu'aucune ambulance n'est disponible pour les urgences. C'est un problème dans la collectivité, un problème courant. Est-ce que vos investissements dans la santé comprennent l'embauche d'ambulanciers et la disponibilité de services paramédicaux à l'échelle de la province? Écoutez, nous pensons que c'est très important. Lorsque les ambulanciers déposent leur patient, qu'il n'ait pas besoin de rester à l'extérieur de l'hôpital. Vous savez, parfois, vous allez à l'hôpital, vous voyez 6, 7 ambulances, c'est pas leur faute. Ils doivent pouvoir décharger le patient. On a dépensé 6 milliards de plus en santé et nous continuerons de financer. Je crois que le budget arrive à presque 80 milliards. C'est énorme. On veut évidemment soutenir les services paramédicaux, on veut soutenir les hôpitaux et les deux hôpitaux de la région, entre autres, vont recevoir un soutien financier colossal par l'entremise de Mike Harris Jr., qui a vraiment travaillé très fort à ces questions. Alors, on le fera. Et question suivie, vous avez évoqué des développements à l'autoroute 7 entre Kitchener et Guelph. Est-ce que vous savez quel est l'état des travaux actuels? Excellente question. Eh bien, je crois que c'était en 2007. Le gouvernement précédent a dit qu'il le ferait, ça n'a pas été fait. En 2017, il a dit qu'il allait maintenant agir, il ne l'a pas fait. Nous avons été élus en 2017. En 2019, nous avons fait la première phase. On a annoncé, je crois que c'était 210 millions dans le Grand River Bridge. Mais sachez que on ne fait pas que parler, nous. On passe à l'action. Mike Harris Jr. est l'expert de la région et peut-être qu'il pourra répondre à votre question. Merci, Doug. Oui, c'est une excellente question. Bon, évidemment, il y a beaucoup de travaux en cours, entre autres pour les services publics. Et il y a certains appels de propositions qui ont dû être annulés.
et qui ont dû être remplacés. Je ne veux pas trop en parler parce que je ne veux pas tarir le processus, mais nous allons réaliser ce projet. Merci. Merci à tous et à toutes. Merci. L'Université de Waterloo et la région, vous êtes des champions.